Bonjour à tous et à toutes, ici Delphiche, et aujourd'hui nous allons nous promener sur la map Mashup Ville, donc Ville City. Donc je vous montre que l'écriture, donc City Mashup, et du coup on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc si au cas où ça saccade, c'est normal, c'est la ville, c'est juste que c'est un peu optimisé avec le cul sur Android. Donc du coup ça saccade un peu à des moments, mais sinon ça va. Donc en fait, au début, j'avais fait une première vidéo pour présenter au début le truc, mais j'ai préféré recommencer parce que ça me saoulait pour certains trucs. Il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, enfin, soit peu importe. En bref, il y avait du dérangement. Du coup, j'ai recommencé la vidéo comme tout personne censée. Alors, du coup, on se retrouve dans une... Attends, ça. De toute façon, ça saccadait au début, donc là au moins ça saccade plus. Ça saccade plus du tout. Donc, comme vous voyez, il y a un peu de tout là en fait. Donc, là il y a les popos. Sympa le bruit de la chasse. Là, il y a ça quoi. Et en plus, ça fait le bruit de popos. Donc, aussi. Enfin, pas de popos là du coup, mais voilà. C'est sympa. En fait, j'explique pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville, donc c'est un mash-up avec des trucs de commandes et tout. Enfin, il y a des enregistrements, il y a des jeux, mini-jeux dedans et tout ça. C'est fait pour le RPG en fait. Donc, par exemple, ici, par exemple, vous pouvez carrément éteindre la TV. J'ai dit éteindre la TV. Voilà. Et puis, tout simplement, la rallumer quand vous avez envie. Et voilà, tout simplement. Et ça, c'est trop stylé. Et ça me casse les pieds. Tu me casses les pieds, tu sais ça. Et vous avez des baffles. Et ça, c'est vraiment stylé, les baffles, hein, sincèrement. Donc, on va sortir d'ici. J'ai bien dit qu'on va sortir d'ici, mais apparemment c'est pas le bon endroit. Où est la sortie ici, en fait? C'est ça que je cherche. Ah oui, regardez, par exemple, ici, voilà ce qu'ils ont utilisé pour faire le four, la table de craft. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça. Ou alors, enfin, soit. C'était sûr que c'est la table de craft, ça? Ah non, c'est dropper, ok. Ça, je sais que c'est le four. Ça, c'est une porte en fer, tout simplement. Et du coup, ben, ça permet de faire de la décoration comme ça. Merci, ma tablette, c'est génial. Tout le monde sait que j'ai une Samsung maintenant, c'est magnifique. Je m'en étais où? Pourquoi elle me casse les couilles d'ailleurs, celle-là? Hop, enregistrement, paramètres, l'application prolongée, l'autonomie, on s'en bat les steaks. Hop, je suis en plein tournage, espèce d'idiote. Il n'y a pas question de pronostic, tout ça, tout ça. Alors, nous continuons. Ah, à chaque fois, je vais te déranger par quelque chose, donc on va pas se casser le cul à recommencer tout. Donc, peut-être que certains vont reconnaître la ville, donc on va peut-être aller voir automatiquement là où on en était quand on débute, ou pas, parce que je sais plus où c'était. Donc, comme vous voyez, ça saccade, c'est vraiment horrible. C'est ce que j'ai dit, hein, l'optimisation, c'est fait avec le cul. Enfin, je sais pas, il faut encore qu'il corrige ça. C'est vraiment horrible. Et j'ai déjà cassé des blocs et remis des blocs pour une réactualisation plus propre. Si au cas où ça détectait pas tout l'ensemble du système. Mais non, c'est pas ça. Je vais vous montrer maintenant. Regardez, hop, on fait ça. Non. Et on fait ça. Et ça permet d'être souvent éventuellement faire que la map soit plus fluide après. En tout cas, sur ma Nintendo de Switch, ça saccadait. Et quand j'ai fait ça, après que j'ai fait le remettre, bah, elle saccadait plus. Donc ça peut régler certains problèmes, mais pas tout le temps non plus. Donc ici, bah, c'est très beau. C'est très très beau, sincèrement. Il y a l'idée, il y a vraiment l'idée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la structure. Ah oui, j'ai compris qu'est-ce que c'est. Oh putain de merde. Wow, ça fait comme des autos tamponneuses, c'est excellent.
Oui, je suis tout seul pour faire, cette vidéo, donc du coup, c'est moins bien que d'être avec quelqu'un, accompagné. Hein. Merde, je suis coincé. Enfin, on a compris le principe. Voilà, voilà. Je vais où là du coup? Voilà. Voilà. Hop, on va continuer la visite. Bon, en fin de compte, je sais plus où est l'entrée du tout. De toute façon, personnellement, je vais pas vous mentir, j'aurais quand même de toute façon pas le tout. Donc on s'en bat un peu les steaks en fait. C'est très beau. Alors, très très joli. Hein. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est joli. Donc j'ai vu des vidéos sur ça, des gens qui se promènent. La plupart du temps, c'est soit des anglophones ou soit des gosses de 8-12 ans. Ce qui est vraiment dommage, quoi, parce que putain. Enfin, purée, vraiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin, c'est surtout que. Je veux dire qu'ils sont pas intéressants parce que déjà, c'est des gosses. Donc, ça veut dire qu'ils savent pas comment s'y prendre. En tout cas, ceux que j'ai regardé rapidement, parce que je voulais voir qu'est-ce que les gens en pensaient. Je voulais avoir des professionnels, enfin, des gens qui connaissent des gamers et tout ça, mais en fin de compte, il n'y a pas eu. Donc, je me suis dit. Autant vite regarder avant de l'acheter pour être sûr de voir à quoi ça ressemble, donc avant de l'acheter. Et du coup, il y avait un gosse qui parlait de tickets de métro et tout ça, enfin, inintéressant. Moi, j'aime pas quand c'est des enfants qui jouent parce que ça m'énerve. Enfin, j'aime bien quand c'est des adultes, donc après, c'est chacun ses goûts. Après, ils peuvent jouer, mais faire des vidéos sur YouTube, c'est dangereux pour eux parce qu'ils sont trop jeunes, quoi. Bon. Ça, c'est aux parents de surveiller et ils peuvent pas tout faire, les pauvres non plus, donc voilà. Bon, dans le sens, du coup, tant mieux qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de vues, comme ça, on les emmerde pas, les pauvres gosses, parce que ils sont déjà pas doués pour... Parce que c'est tentant, et je pense que les rageux, ils pourraient vraiment avoir leur truc, hein, parce que là, t'as vraiment de la qualité de merde, t'as carrément un gamin de 14-13 ans qui a filmé, c'est vraiment très beau, le tableau. Il y a carrément un gosse de 14-15 ans qui a carrément filmé son truc... comme moi, comme ici, mais le pauvre il n'avait pas une tablette très puissante, c'est vraiment triste pour lui. Du coup, ben, ça saccadait à mort. Il était à 15, moins de 15 fps, c'était pas terrible du tout, c'était de la merde quoi. Bon, après, peut-être qu'habituellement ça passe, mais comme ici on est sur une map qui est lourde, ben ça passe moins. Le pauvre, il veut faire une vidéo, il veut se faire plaisir, il peut pas parce que sa tablette ne supporte pas. Bon, après, voilà, Mobizen n'est pas non plus le meilleur... C'est très beau, en tout cas, tout ça. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Mobizen n'est pas vraiment le meilleur truc d'optimisation qui existe au monde non plus, hein, parce que la tablette que j'ai, elle est très puissante. Hein, c'est une Samsung Galaxy Tab S3. Donc, c'est normal avec le Snapdragon 4Go de RAM et Snapdragon 820. Cadencé à 2,15 ou 15 GHz, c'est normal que ça va quoi, et ça a l'air ça quand même. Et encore, apparemment, selon eux, Minecraft n'est pas bien optimisé sur cette tablette, donc voilà. Si elle se serait encore mieux optimisée, ça irait mieux. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai réduit les traçons assises hein, sur cette tablette, sinon ça commencerait à saccader énormément. Donc voilà. Et malgré tout, on a quand même une grande trace de traçons, c'est jouable, mais c'est pas le truc le plus ouf non plus. Donc ça, c'est pour la petite
comment dire, c'est très beau ça, c'est très très beau. C'est pour la petite anecdote des enfants que j'ai, enfin, ou même des gens anglophones, comme je comprends pas, du coup j'ai regardé juste des vidéos, c'était intéressant. Mais, en fin de compte, au moins les gamins ils parlent français, donc c'est déjà ça de gagner, mais bon, c'est des gosses quoi, donc du coup leur contenu n'est pas très bien riche, c'est ça qui est dommage. Ils pourraient y aller plus loin, au pire c'est vraiment, mais bon, c'est pas terrible en tout cas. Et c'est souvent des jeunes qui débutent carrément, qui ont 0 abonné carrément, ou 2, 3 abonnés, et même pas 2, 3, 4 vues, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point ils sont pas connus du tout. Après, je ne dis pas qu'ils doivent arrêter leurs vidéos et que c'est de la merde et tout ça. Hein. Bah, là oui, c'est de la qualité et merdique, donc il faut pas dire la vérité, c'est pas... parce que... voir le jeu saccadé à mort comme ça, être joué à 15-10 FPS, c'est pas ouf quoi. Donc il y a un moment où il faut être d'accord. Ou filmer son écran, et en plus que malgré tout, en filmant son écran, c'est saccadé, ça c'est bridé quoi, ça tourne à 15 FPS. Je sais pas avec quel. Alors là, on a une poubelle. Pour ceux qui rêvent de poubelle, ben voilà, on en a une. C'est de la pastèque. Je sais, une poubelle plastique, c'est de la pastèque, ils utilisent comme une poubelle. Ce qui est marrant, c'est que vous imaginez faire une survie avec ce pack de textures là. Du coup, vous allez avoir des poubelles. Oh, moi, je trouve ça marrant en fait. J'aime bien faire des trucs buggés comme ça. Bah, voilà. C'est mon avis, c'est mon délire. Mais... alors, ok, donc c'est ce centre commercial là, ok. Donc on va peut-être faire un petit screenshot pour savoir le récupérer dans l'espace. Ouais, ça devrait aller, je pense que ça va. Ça va, je saurai où c'est. Je vais reconnaître le truc, je vais pas être au point d'un gros... bah, il y a Sig, machin, truc derrière, donc ok. Désolé pour mon nez. Ouh, c'est du make-up ça. C'est quoi? Tu m'as pas dit. Colorant rouge. Excellent. Merde. Excellent, excellent, excellent. Ouais, je pollue le sol. Je pollue le sol. Je suis un sale gosse. Alors, ça c'est vraiment une map vide de chez vide. Voilà, je me suis mouché le nez et on devrait avoir moins de soucis à ce niveau-là. Alors, c'est vraiment stylé. Le truc, c'est que... il y a des chances que je sois coupé à un moment. Donc, je ne saurais pas dire à tout de suite ou des choses comme ça. Si au cas où je dépasse 30 minutes, il y a des chances que le truc divise en fait à un moment la vidéo. Et du coup, ça veut dire que je sais pas quand ça coupe, donc du coup, je peux pas dire à tout de suite ou quoi, parce que je sais pas justement quand ça coupe. Un miroir. C'est cool. D'accord. Oh mon dieu, ça va bouger, c'est bloqué. Ah bah c'est stylé tout ça. Bon, en tout cas cette map là, je vais la continuer à la visiter tout seul de mon côté. Parce que je saurais pas tout montrer, hein, vous en doutez bien, c'est pas possible. Ça prendrait des heures et des heures. On va encore aller voir une dernière map, enfin une dernière zone. Enfin, si j'arrive à sortir d'ici. Ça c'est aussi moi, c'est que je n'en sors jamais. Alors c'est ici, c'est là la sortie. Oh, c'est beau, ce parterre de fleurs est très 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 beau. Oui bon, on va pas se casser que à faire la resplendissante. Tiens, une église une église. D'accord, c'est une église. Bon, ouais, voilà, c'est une église quoi. Faut pas chercher plus loin. Très belle église.
Ah ouais, mais elle est vraiment complète, hein. Elle est très très belle. Bon, on l'aura visité, c'est déjà un de contenu en plus d'enregistrer. C'est dans la poche, c'est dans la boîte, pardon. Bon, après, je m'assure, m'a quand même coûté dans les 8 euros, hein, pour ceux qui sachent. Ça coûte 8 euros, je m'achète, donc c'est assez cher. Ouais, c'est la teuf! Ça représente une salle d'arcade, d'accord. Lol. Stylé. Stylé, une salle d'arcade, d'accord. Enfin, je crois, hein. À Minecraft, c'est la source d'imagination. Hein. Si tu sais pas imaginer qu'est-ce que ça représente, tu l'as dans les fesses. Alors, musique. Angel, oui. Merde, j'ai pas activé des trucs. Voilà. Ouais, ça va, ça commence à s'éloigner, ça s'arrête. Oula, ça lague un peu. Bon, attendez, on va attendre un peu parce que ça charge. Bon, waouh, ici c'est magnifique. Ah, c'est l'animalerie, d'accord. Oh, d'accord, ok. Putain, mais c'est complet ici. Hein. D'accord, des poissons, des toutrues. Bon, par contre, la toutrue va plus voir. Je sais pas, mais moi je la trouve moche. Les yeux comme ça, c'est moche. Ça fait trop gamin. Je suis un peu déçu à ce niveau. C'est ce truc, sinon pour voir, c'est cool. Ah oui, pour Robert, ça, en fait, c'est des lanternes. Ça allume, donc ça éclaire. Donc c'est un meuble qui éclaire tout. Ça fait un peu mal aux yeux aussi, mais bon. Bah, c'est marrant, vous entendez le bruit? Le bruit que je vous dis, qui gênait là, on l'a. Excellent. Oh, une nonos. J'aime les nonos. Je prends. Je vole. Tiens, en échange, je te donne ça, tu vois. Alors, voyons voir. C'est ça que je... Ah, dernière map, dernier endroit à visiter, ces deux trucs-là, et après, on stop. On va aller au cinéma! Non, je connais. Non, mais c'est ça, c'est cinéma. En fait, le M, on dirait un H, donc ça fait ciné A. Non, non, c'est un N. C'est bien un N. E-M. Donc, ouais. Et on peut pas tout écrire. Donc, on attend. Et on y va. Ah, et puis, on va aller au cinéma. C'est trop, trop bien. Ah, oui, carrément. Ils se sont pas cassés le cul. Ils ont carrément fait un truc de désert créature. D'accord. Logique. Ouais, bah, c'est pas ouf, hein, leur truc. Ah là, ça a l'air déjà plus intéressant. Candy World, Love Dropper, ah Dropper, Dream Attack, ouais, sympa. Ouais, je rentre sans ticket. Gna, 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 gna. Jurassic Depp. Qu'il n'y a pas vraiment de système, non? Si, on va attendre, on va pour terminer, il faut vraiment vérifier. Il doit y avoir un truc pour activer tout ça. On va y arriver, on va trouver. Donc,
Bah, c'est ici en fait. Non, il n'y a rien. Oh, c'est dommage. J'aurais dû faire un truc pour que ça fasse apparaître quelque chose. Je sais pas. Vraiment déçu là. Ah, on aurait vu un home cinéma de grande qualité. C'est vraiment pas mal, sincèrement. Ça donne vraiment très home de cinéma. T'as vraiment envie de fainéantise dans la zone, quoi. Oui, j'ai pas beaucoup de fainéantise. Ouais, c'est stylé. C'est vraiment très stylé. Ouf, oui. Bravo, je sais plus où j'étais. Alors, bah c'est très très beau. Oui, mon skin est très beau aussi, mon renard. C'est le plus beau renard du monde. Ouais. Moi, c'est un fox champagne. Mais je vais utiliser ce modèle pour refaire, modifier le mien. On est inspiré de niveau de la truc, en fait. De la truc, moi. C'est pour ça qu'il faut faire ça sur Paint, pas sur Nova Skin. Que Nova Skin, il te permet, il remplit toute la cage en un coup, et c'est ça qui est dérangeant, qui ne va pas. Du coup, ici, ça va permettre je vais m'inspirer de ce skin-là pour refaire ma truffe. Parce que celle-là est vraiment bien faite et ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah, mais on a déjà vidé. On a déjà vidé ce compte de Ya commercial. Ah bah voilà, bah c'est touristique, on va se quitter alors du coup. C'est parfait. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Donc c'était le mashup City, Ville City. Moi j'ai trouvé très très sympa. Et du coup, pour terminer, on va aller dans le café et moi je vais boire un coup. Voilà, voilà. Oui, je sais, c'est débile comme... Enfin, allez. Au revoir et bye bye.